Le 30 mai 2005, à 7h du matin, une aide-soignante se dirige vers le village de Villiers-Morgon. Comme chaque matin et soir, elle se rend au domicile de Suzanne Michel, une dame âgée invalide, atteinte d'une sclérose en plaques. Madame Michel partage avec sa fille et son gendre deux anciens corps de ferme que sépare une cour. Curieusement, ce matin-là, le portail est fermé. La fille de Madame Michel, Josiane Imbert, vient ouvrir. Elle accompagne comme chaque jour l'aide-soignante. Au premier étage, les deux femmes découvrent le cadavre de la vieille dame dans son lit. Elle est apparemment décédée dans son sommeil. 6 mois plus tard, Josiane Imbert confie à une aide-soignante, rencontrée par hasard, que c'est elle qui a mis fin au jour de sa mère. En 2006, une enquête est ouverte. En novembre, Josiane et son mari Guy sont placés en garde à vue. Elle reconnaît avoir étouffé sa mère avec un oreiller. Il avoue avoir assisté à la scène sans intervenir. L'affaire s'est révélée par elle. Si elle n'avait pas rencontré un jour une aide-soignante qu'elle connaissait, elle est allée au-devant d'elle et elle lui a dit « Il faut que je te dise, c'est moi qui ai tué ma mère ». Jusque-là, il y avait eu quelques doutes, mais rien de patent. Et on sait après coup, avec les autopsies, puisqu'on a exhumé le corps, que rien ne pouvait être établi de façon formelle. Donc, s'il n'y avait pas eu les dires de ma cliente, cette affaire n'aurait pas vu le jour. Les époux Imbert sont laissés en liberté sous contrôle judiciaire. Ils restent à Villiers-Morgon, mais ils donnent en location la plus grande bâtisse, l'ancienne maison de Madame Michel. Donc, ça sera après au juré, au magistrat, d'apprécier son degré de culpabilité et ce qu'il faut en déduire. Le procès de Josiane et Guy Imbert s'ouvre à Lyon, devant la cour d'assises du Rhône, plus de 4 ans après les faits, le 14 octobre 2009. 3 jours d'audience sont prévus. Le parquet général a fait citer 16 témoins et 4 experts. Josiane, âgée de 52 ans aujourd'hui, est poursuivie pour assassinat. Elle risque la réclusion criminelle à perpétuité. Guy, 51 ans, est accusé de non-empêchement de crime. Il encourt 5 ans de prison. Les deux sœurs de la victime se sont portées partie civile contre leur nièce. À l'audience, elles sont accompagnées de leurs époux. Tous sont persuadés que Josiane Imbert s'est débarrassée de sa vieille mère et aucun ne croit à un acte d'euthanasie. Les époux Imbert sont défendus par l'une des grandes avocates pénalistes de Lyon, maître Yanina Castelli, dont ce sera le dernier procès avant de partir à la retraite. Les sœurs de Suzanne Michel sont assistées par maître Alain-Xavier Spé, ancien bâtonnier de Villefranche-sur-Saône. 4 des témoins sont des aides-soignantes de l'association de soins à domicile qui ont accompagné la victime durant de longues années. Les époux Imbert sont inquiets et contrariés. Inquiets à l'idée de devoir peut-être aller en prison après les débats, contrariés car ils estiment toujours avoir pris la bonne décision. Le ministère public sera représenté par Véronique Escolano, substitut général. Les débats seront dirigés par le président Georges Catelin. Veuillez vous asseoir. L'audience va d'abord s'attacher à cerner les circonstances de la mort de Madame Michel. La famille Michel est originaire du Haut-Beaujolais, mais les parents de Josiane se sont installés plus bas, à Morgon. En 86, les médecins découvrent que Suzanne Michel est atteinte d'une sclérose en plaques, grave et invalidante. Dès lors, son état ne cesse de s'aggraver. En 2005, la vieille dame est grabataire et souffre beaucoup. Josiane s'est installée avec Guy dans la maison mitoyenne pour veiller sur sa mère. Pour cela, elle a abandonné travail et loisirs. Josiane, je l'ai toujours bien considérée, c'était ma filleule, je l'aimais beaucoup. Quand j'y allais, je ne peux pas dire qu'elle ne s'occupait pas de sa mère. Bon, elle lui parlait mal, ça c'est certain, mais pour s'en occuper,
Ah, mais elle avait le sourire, Josiane. Ah, ben, moi, j'ai pas à m'en plaindre hein, d'elle. Quand j'y allais, j'étais toujours bien sûr. C'est elle qui faisait l'infirmière, elle donnait les remèdes comme elle voulait. Josiane se dévoue pour sa mère. Elle tient par-dessus tout à s'en occuper elle-même. En son absence, personne n'a accès à Madame Michel, alitée en permanence dans sa chambre du premier étage. Les aides-soignantes, c'est pareil, elle était toujours présente. Elle faisait peut-être pas le son goût, j'en sais rien. Je peux pas dire. Josiane Imbert considère qu'elle seule s'occupe convenablement de sa mère. Chez les autres intervenants, elle ne voit que maladresse et désinvolture. La vieille dame est parfaitement consciente de son état et du dévouement de sa fille. Elle se plaignait jamais. Elle est toujours gracieuse. À part quand vraiment, en cas de crise, mais... Elle était bien. Elle était bien, elle s'intéressait à la vie, elle questionnait. Elle était lucide, elle questionnait bien. Oui. Oh, pour ça, oui. Elle s'intéressait à tout, hein. Elle demandait toujours des nouvelles de tout le monde. À les derniers temps, on la faisait manger, hein, je me souviens. Elle n'arrivait plus à prendre avec les doigts. Elle avait repris encore le capot dessus. Hein. Il fallait lui déplacer les mains. Enfin, il fallait pas que la main soit comme ça. Il fallait qu'elle soit un peu plus haute. Enfin, les pieds, les... Ouais, c'était quelque chose. Mais nous, on est toujours allé un jour qui faisait qu'elle était bien. À part un jour qu'elle était à l'hôpital, là, qu'elle pleurait, elle souffrait trop. Régulièrement, la vieille dame est prise en charge par l'hôpital de Beaujeu. Son dernier séjour remonte à la première semaine du mois de mai 2005, deux semaines avant son décès. Elle y est admise pour un rééquilibrage de son traitement à base de morphine. La fois qu'on avait été à Beaujeu, là, oui, vraiment, elle souffrait. Elle gémissait. Or là, elle respirait presque plus. Elle était dans le coma, elle ne nous a pas connus. Ni les uns ni les autres. Là, elle aurait été morte. J'aurais dit que c'était une mort naturelle, qu'elle souffrait trop. Cette fois pour les proches, l'alerte est sérieuse. Josiane Imbert s'empresse de rendre tout le matériel médical présent au domicile de la vieille dame. Elle avait déjà tout dégagé, le lit et tout. Et quand elle est revenue, il a fallu qu'elle... Je ne sais pas comment elle a fait, je n'ai pas demandé. Il a tout fallu qu'elle remette en place. On ne peut pas dire, elle nous accueillait bien, mais on ne sait pas ce qui se passait après. Je crois que les choses se sont vraiment déclenchées après sa dernière hospitalisation à l'hôpital de Beaujeu, où elle a été hospitalisée pour une surdose de médicaments, de morphine, puisqu'elle était aussi, elle avait des doses de morphine très importantes. Elle est revenue à la maison et je crois que là, elle a commencé à y penser. Suzanne Michel est ramenée à son domicile le 17 mai. Cinq jours plus tard, en couchant sa mère, Josiane Imbert pose sur son visage une couverture. Elle dit avoir espéré que sa mère s'endorme pour toujours, pour ne plus souffrir. Au matin, Madame Michel est éveillée et ses souffrances sont toujours présentes. Elle souffrait, si, mais la dernière fois qu'on l'a vue, elle a encore bu son café, elle mettait sa cuillère, elle a bu son café. Quand vous voyez, en plus, que le mental est là, hein, qu'il y a une énorme souffrance, mais que le mental est là, c'est pas comme quand ils sont tous... qu'il n'y a plus rien moyen d'en tirer, mais quand ils ont une conversation comme vous et moi, et puis qu'il y a une énorme souffrance physique, c'est quand même dur. Hein. La dernière fois que je l'ai vue, c'était donc le lundi, et elle a fait le reste la nuit du samedi au dimanche, jour de la fête des mères. Pour la circonstance, Madame Michel est transportée dans la cour où la famille réunit des jeunes. Josiane offre à sa mère une orchidée. Le soir, Madame Michel se plaint. On l'entend des gémir par la fenêtre ouverte, raconte Josiane, qui assure « il faut en finir ce soir ». Elle augmente la dose de calmant. Et vers 22 heures, elle appuie fortement une épaisse couverture pliée en deux sur le visage de sa mère endormie. Guy se tient au pied du lit. Il conseille à sa femme de ne pas laisser l'air passer sous la couverture. Cinq minutes après, tout est fini. La couverture est rangée dans l'armoire et Josiane va se coucher
sans pour une fois préparer le petit déjeuner de sa mère. C'est le journal qui nous l'a appris. Alors après-midi, on s'est téléphoné, puis on a dit, bon, on va aller faire une visite. Comme je l'ai dit au tribunal, on est arrivés là-bas tous les quatre, portail fermé, Josiane, dans la cour avec un balai, les fenêtres grandes ouvertes. Je dis, non, mais Suzanne n'est pas décédée, les fenêtres sont grandes ouvertes au soleil. Puis tous les volets ouverts, tout. Quand il y a un mort, je pense qu'on on ferme les fenêtres, je sais pas, chez nous, c'était comme ça. Alors, je lui ai dit, mais Josiane, qu'est-ce qui est arrivé? Oh ben, j'ai donné ses remèdes hier soir comme d'habitude, et puis ben, ce matin, je l'ai trouvée raide. Enfin, elle était shootée. Je lui ai dit, elle était shootée. Ben oui, j'ai donné ses remèdes, et puis je lui ai dit, mais comment elle était shootée, t'es revenue la voir? Ah ben oui, elle s'est débattue un petit peu, puis enfin, c'était fait, hein, ce matin, quand je suis montée, elle était raide. Voilà exactement ce qu'elle nous a dit. J'ai dit, mais on peut la voir? Ah ben non, elle est dans la caisse. Quand elle nous a dit qu'elle est déjà dans la caisse, comme elle dit, ben vous savez qu'on en a eu gros. Vous savez, moi j'ai pleuré toutes les larmes de ma vie. On est resté une heure auprès du cercueil, pas pouvoir la voir, rien. Elle qui disait rien, pas une larme, rien. On a trouvé ça quand même un petit peu bizarre. Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand on sait rien, hein? J'ai dit, mais elle restait naturelle. Oh, elle était un petit peu bleue, le tour de la bouche, mais c'est tout. 6 mois plus tard, Josiane Imbert rencontre par hasard une aide-soignante qui s'était occupée de sa mère. Spontanément, elle lui avoue qu'elle a étouffé Madame Michel pour mettre un terme à des souffrances insupportables. En janvier 2006, l'association de soins à domicile se décide à alerter les autorités. Un courrier officiel est envoyé au procureur de la République de Villefranche-sur-Saône. L'enquête démarre en toute discrétion. On avait un doute. J'avais un doute. Moi, je disais pas possible. Elle était, on l'a vu plus malade que ça. Elle pouvait pas mourir comme ça. Non, bien sûr, on a eu un doute. C'est pourquoi si rapidement? Le cercueil était fermé. Personne pouvait la voir. Enfin, comment ça se faisait? Fallait pas qu'on la montre. Moi, elle m'a dit que sa mère demandait à mourir. Elle m'a dit qu'elle l'avait étouffée. Raide dans le box des accusés, Josiane ne lâche rien. Sa mère souffrait trop et lui avait demandé à de multiples reprises de l'aider à mourir. Elle a donc fait ce qu'il fallait faire. Madame Imbert, physiquement, je ne l'imaginais pas comme ça, mais au point de vue du caractère, de la rigidité, d'une certaine froideur, moi, elle m'est bien apparue par ses mots, plus que par son visage d'ailleurs, par ses mots comme je pressentais qu'elle pouvait être en lisant le dossier et ses déclarations. Monsieur Imbert m'est apparu un peu comme à la limite je l'imaginais, c'est-à-dire un homme un peu rond, plutôt assez malléable, assez doux, assez nuancé. J'ai été déçue par le fait que Madame Imbert, elle était assez non seulement en retrait, non seulement elle a conservé le regard qu'elle portait initialement, mais de surcroît, elle a été assez agressive dans ses réponses. Elle a l'impression de déchoir si elle se laisse aller à des pleurs. Et quand elle pleure, elle essaye tout de suite de se ressaisir parce que pour elle, eh bien, il ne faut rien montrer. Comme on ne parle pas, il y a une chanson qui dit on ne parle pas chez ces gens-là, c'est on ne pleure pas non plus. Je crois que c'est ça l'état d'esprit. On ne montre rien. On ne dit rien et on ne montre rien. Josiane et quelques proches affirment que Suzanne Michel voulait mourir. Ses sœurs et les aides-soignantes soutiennent le contraire. L'enjeu du débat est crucial. Josiane Imbert a-t-elle commis un acte d'euthanasie, certes interdit mais défendable, ou la mort de Madame Michel répond-elle à un autre mobile, nettement moins honorable? Elle s'aimait beaucoup. C'est pour ça que quand elle souffrait beaucoup, Josiane, elle a... Elle ne savait plus en donner de la tête quand elle la voyait souffrir comme ça. Puis surtout qu'elle lui demandait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tue-moi, vu que je ne vais pas mourir, mais c'était tout le temps. Même à moi, elle me le disait. Non, elle ne l'a jamais dit. Elle ne nous l'a jamais dit. Non. Même qu'elle souffrait, elle n'a jamais demandé la mort.
Elle m'a juste dit une fois qu'elle voyait bien qu'elle embarrassait, mais c'est tout. Oui, ce qu'on dit souvent quand on est fatigué, des fois. Oui, mais elle voyait bien qu'avec les réflexions que Josiane faisait sur elle, qu'elle était trop. Ça, j'en suis sûre. Un jour, je l'ai téléphonée, elle pleurait. J'ai dit, tu souffres? Non. J'ai dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Elle ne m'a rien dit. Elle s'est ressaisie, j'ai dit, ben on ira toi. On a dû y aller le lendemain ou surlendemain. Mais elle n'a rien dit. Oh, mais ma soeur devait pleurer en cachette, hein, ça. C'est même certain. Mais elle ne le faisait pas connaître. On ne savait pas, parce que quand le jour qu'elle téléphonait qu'elle pleurait, elle avait bien un motif. C'était pas pour sa maladie. C'était autre chose. La mère de Madame Humbert a dit à plusieurs reprises que lorsqu'elle était en crise, elle disait « je voudrais rejoindre mon mari, à quoi ça sert de vivre ?» Tous les propos que l'on peut dire quand on souffre et qu'on a envie que ça cesse. Est-ce que c'est une volonté véritable de mourir? Je ne pourrais pas l'affirmer. Madame Michel était une personne extrêmement courageuse, extrêmement digne, qui faisait face à sa maladie avec beaucoup de courage et qui à aucun moment, pas plus à mes clientes qu'à ses petites filles, qu'aux infirmières, qu'à qui que ce soit, n'avait dit qu'elle souhaitait mourir. Oh, mais elle disait, mais tu vois bien que Josiane, elle peut rien faire, c'est affreux, mais je lui bloque sa vie, je lui... Ah oui, elle se sentait vraiment un poids. Un énorme poids. Une fois seulement, elle m'a dit, je ne sais pas si Josiane comment elle lui parlait, et elle a dit, ah, je ferais bien mieux de partir parce que je vois que j'embarrasse. Ça voulait tout dire. Qu'elle comprenait bien que d'après les paroles de sa fille, qu'elle gênait. Toute l'ambiguïté du personnage est là. Dans son langage un peu rude, Josiane Humbert appelait sa mère la vieille carne. Mais elle s'est dévouée pour elle, nuit et jour, pendant 18 ans. La cour s'étonne que Madame Michel n'ait pas été admise dans une institution spécialisée. Oui, elle disait, oh, je suis encore mieux chez moi qu'à l'hôpital. C'est vrai que ma sœur, jusqu'à ce qu'elle pouvait rester chez elle, elle aimait bien être chez elle, c'est vrai ça. Mais bon, Josiane n'aurait plus pu s'en occuper, elle n'aurait pas certainement pas dit non. Hein. Il n'y avait pas d'autre choix. Surtout que la mère ne voulait pas aller dans une maison. Ça, c'était hors de question. Déjà, quand elle l'a placée un mois à l'hôpital, c'était déjà, comment dit vulgairement, la gueule. Eh ouais. Alors, vous imaginez, la placer dans l'institut, là, c'était... La réponse de Josiane est lapidaire. Le couple Humbert ne disposait pas des moyens financiers nécessaires. Ma sœur, elle ne devait pas avoir de l'argent parce que... Elle faisait des fromages, lui vendait des bêtes. Comme je dis, elle aurait peut-être pu l'amener dans une maison et louer son appartement, je ne sais pas, moi. Ou alors quelqu'un à domicile aussi, des personnes qui viennent à domicile qui auraient pu la soulager Josiane aussi, sans qu'elle en ait 100% la charge. La réponse, là encore, semble budgétaire. En gardant seule sa mère, Josiane bénéficiait de l'intégralité de l'allocation tierce personne. En acceptant une aide, elle perdait la moitié de ce revenu. Je ne sais pas comment que ces affaires étaient arrangées. Elle ne nous en a jamais parlé. Elle ne voulait personne chez elle, personne... Je ne sais pas si c'est par méfiance, si c'est... Je ne sais pas. Une impression de malaise domine l'audience. Qui dit vrai? Josiane Humbert veut avoir raison contre tout le monde. Après tout, elle était la personne au monde la plus proche de la victime. Rien dans les associations de l'une ou l'autre des deux personnes ne pouvait faire évoquer à l'interlocuteur l'idée de l'euthanasie. Vraiment, non. Dès la première lecture, ça saute aux yeux, il apparaît que ce n'est pas une affaire d'euthanasie. Ça, c'est vraiment une réalité criante dans ce dossier. Je dirais que c'est une évidence. C'est une personne âgée, gravataire, qui n'a plus aucun espoir,
Bien sûr, elle a quelques visites, ça lui met un peu de baume au cœur, mais quand elle est seule avec sa fille, elle retombe dans son univers de tristesse. Donc, sa fille veut la soulager de cette vie-là qui n'en est plus une. Et parallèlement, elle se libère d'un poids de 20 années de sacrifice. Libérée parce qu'elle en a bavé, parce qu'elle a porté un certain nombre de choses. Et elle dit, elle est morte, ouf, tant mieux. Cette liberté retrouvée est illusoire car elle traîne au fond d'elle-même cette souffrance. Elle a dit, je suis en souffrance et je crois que c'est une réalité. L'audience a été émaillée d'escarmouches verbales de plus en plus tendues entre l'avocate générale et l'accusée. Véronique Escolano semble supporter difficilement les certitudes péremptoires de Josiane Imbert. Celle-ci explique qu'elle considère avoir déjà payé le prix de la mort de sa mère, le prix de la douleur. Réponse cinglante de l'avocate générale, le prix à payer, madame, c'est nous qui vous le ferons connaître. Murée dans ses certitudes, l'accusée reste insaisissable. Jurés et magistrats peinent à lui trouver un mobile intelligible. La cour poursuit sa quête de la vérité. Le lendemain, c'était déjà l'enterrement. Je lui ai demandé s'il y avait des fleurs. Elle m'a dit, bah, si tu veux, tu peux apporter une fleur, oui. Elle a reproché, je crois bien, qu'on n'avait pas acheté une grosse fleur. Il n'y avait pas d'autre. On a pris la plus grosse. Le matin même du décès, un médecin peu curieux signe le permis d'inhumer, malgré la cyanose du visage de Madame Michel. Tout de suite après, Josiane Imbert envoie un formulaire de demande d'allocation d'essai. On attendait que les pompes funèbres arrivent. Mais entre-temps, c'est venu pour enlever le lit médicalisé, déjà tout de suite. Elle disait, il faut faire couper le téléphone tout de suite, il ne fallait pas faire de frais, il fallait que ce soit tout vite, tout de suite. Les obsèques s'annoncent tendues. Le conflit éclate avant même l'arrivée au cimetière. Oh, le pire, c'est encore au cimetière. Oh là là, qu'elle nous a dit de ne pas y aller. La famille n'était pas acceptée au cimetière. Tout le monde est venu un petit peu nous réconforter, puis ma soeur me dit, bah, tu sais, on va y aller quand même. Je lui ai dit oui. Quand on est arrivé, elle dit, oh, les voilà déjà. Ils sont partis, puis on est allé sur la tombe. On voulait bien voir ma soeur. On ne l'a pas vue dans la caisse, comme elle a dit. Bon. Moi, j'ai le souvenir de la voir dans son fauteuil. Je lui ai dit, pauvre Suzanne, si tu savais ce qui se passe. Elle dit que sa mère était au courant, mais je suis bien sûre que non. Encore un mensonge de plus. Ma soeur n'aurait jamais voulu ça. Magistrats et jurés retiennent la précipitation avec laquelle l'accusée a agi dans les 48 heures qui ont suivi le décès. Comme s'il fallait à tout prix que personne ne puisse voir le cadavre de sa mère et qu'elle puisse enfin réaliser le rêve de sa vie, acheter une maison en Bretagne. Pour moi, elle avait l'idée de partir. Elle s'est dit, ça va jamais finir ou n'importe, je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Parce qu'elle ne travaille pas, lui étant maladie, il était libre. Allez, bon retour et puis bon courage. Merci. Allez, au revoir. Allez, monsieur, déplace, bon retour. Dormez bien et revenez demain avec l'esprit reposé. Sa mère était un peu enfermée dans sa logique. L'expert a bien dit qu'elle était dépendante d'elle, qu'à tout moment, elle pouvait avoir besoin d'elle. Et on sent bien que, moi je trouve, Madame Imbert exerçait un peu son pouvoir en disposant de sa mère, moi je trouve. Je crois qu'il y a l'aspect très terrien de ces gens de la campagne, où un sou est un sou, ça reste, où elle a un côté très concret, très pratique, très terre à terre. C'est une personnalité, on a parlé de fusionnelle, on a parlé d'un certain nombre de traits de caractère, mais moi je crois que le premier qui caractérise la personnalité de Madame Imbert, c'est l'ambivalence.
Elle a cette espèce de maîtrise par rapport aux faits, elle est extrêmement décidée. Je trouve qu'elle a quand même beaucoup de constance dans sa froideur et son esprit décidé. Elle n'a pas craqué, elle était maîtresse d'elle-même et maîtresse des sentiments qu'elle avait. Est-ce qu'elle les avait au fond d'elle-même? Bon, je suppose pour elle, j'espère pour elle, mais elle est froide. J'ai trouvé froide. Les jurés partagent cette vision d'une accusée au maintien glacial et rigide. Ils s'interrogent toujours sur le mobile qui a pu pousser cette femme dévouée à tuer sa mère, à en dissimuler les traces, pour mieux s'en vanter quelques mois plus tard. L'euthanasie a été écartée par ce premier jour d'audience. Est apparue au contraire l'ombre malsaine d'un mobile utilitaire. Mais l'argent ne peut être ni la motivation principale, ni même le seul mobile de cette femme secrète au psychisme complexe. Cette deuxième journée sera consacrée à l'examen de la personnalité des deux accusés. Psychologues et psychiatres se sont attachés à l'étude du caractère et du mode de fonctionnement psychique de Josiane Imbert, l'accusée principale. Ils ont également procédé à l'analyse des relations qu'elle a entretenues tout au long de sa vie avec sa mère. La Cour est convaincue que la clé de compréhension du drame et de l'attitude de Josiane Imbert réside là, dans cette très longue confrontation à huis clos qu'ont partagé les deux femmes. Josiane Imbert grandit à Villiers-Morgon, où sa mère, Suzanne Michel, tient l'épicerie du village. Rapidement, la fillette préfère la fréquentation du magasin maternel à celle de l'école communale. Elle est très vite confrontée à la douleur, car sa mère souffre déjà de graves rhumatismes qui l'obligent à partir suivre de fréquentes cures thermales. Une maman malade à 4 ans, une maman qui s'absente de plus en plus à 14, un arrêt de scolarité à 16 ans, avec un papa présent, mais plutôt périphérique, on va dire, par rapport à ses possibilités d'investissement. Un mariage qui vient un petit peu pour, comme on dirait, tentative de vie. Josiane quitte l'école et aide sa mère à l'épicerie. Puis elle rencontre Guy Imbert, dont les parents sont éleveurs et maquignons, comme son propre père, alors qu'elle travaille le week-end dans le restaurant d'une parente. Le couple se marie en 1980 et part vivre à Mâcon. Elle est vendeuse, il est boucher. Et puis quelque chose qui se referme très vite à partir du moment où elle apprend que sa mère est malade, c'est-à-dire qu'un diagnostic est posé en 86. Quand sa mère est devenue malade, le couple, qui avait déjà deux enfants, a déménagé. Ils habitaient Mâcon, ils sont venus habiter où habitaient les parents, puisque c'était une ferme où il y avait différents corps de bâtiments, ils ont pris un corps de bâtiment. Donc à partir de ce moment-là, elle a décidé, je dirais, de ne plus travailler, de se consacrer, je dirais, à sa mère. Déjà là, les choses, on pourrait dire, se scellent un peu dans ce qui va apparaître un destin, à savoir, je suis une assistante maternelle. En 88, le couple regagne Villiers-Morgon avec ses filles. Guy travaille dans l'une des deux boucheries du village. Josiane s'occupe de ses parents et de ses deux filles. Il y avait également son père. Donc les premiers temps, c'était certainement plus léger parce que son père s'occupait également de son épouse et la maladie était moins présente. Mais il est certain qu'après le décès de son père, les 5 dernières années ont sûrement été très très dures. Le père de Josiane décède en 2000 d'un cancer, au terme d'une terrible agonie. Ça a été l'horreur, se souvient Josiane. La jeune femme se retrouve seule avec sa mère. Elle n'en a pas fini avec la souffrance. Il y a eu ensuite son mari qui a présenté des problèmes de santé importants, l'invalidant aussi, le réduisant aussi à un immobilisme. Là aussi, quelque chose de très mortifère, c'est-à-dire une mère qui ne se levait plus. Après, le père qui meurt, aussi dans des conditions terribles. Ensuite, son mari. Et puis, quelque chose où elle a voué sa vie. Et on peut dire quand même jusqu'au bout, puisqu'elle dit que c'est jusqu'au bout, qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu pour soulager sa mère. Et comme elle disait, c'est ma mère, il faut bien que je m'en occupe. Hein, qui est-ce qui va s'en occuper? Elle n'avait personne dans son entourage qui l'aidait. Les soins à domicile viennent une heure le matin, une heure le soir, mais la journée et la nuit,
Comment on fait? Ils sont pas là? C'était un boulot que tout le monde ne peut pas assumer. Hein. Ça, pour ça, on peut lui tirer le chapeau. Hein. Mais la relation instaurée dans cette perspective de soulager l'autre à tout prix la conduisait effectivement à cette relation extrêmement refermée sur elle-même qui effectivement faisait qu'il n'y a qu'elle qui pouvait s'occuper de sa mère. À partir du décès de son père, Madame Humbert est dans une situation de monopole. C'est un monopole affectif, c'est un monopole sur la gestion des biens, c'est un monopole global. Aujourd'hui, elle était un peu paniquée parce qu'elle ne savait pas trop quoi répondre, comment répondre, parce qu'elle n'a pas l'habitude de parler, de s'exprimer. S'exprimer devant une cour d'assises, c'est toujours très difficile. Les sœurs de Suzanne Michel sont ulcérées de l'attitude hautaine et butée de leur nièce. Suzanne Humbert ne se trouve que des vertus, qualités qu'elle a nettement tendance à dénier chez les autres. De l'avis de ses proches, Josiane Humbert ressemble à son père, dure, souvent cassante, autoritaire et toujours sûre de son bon droit. Il ne faut pas oublier que c'est un monde de paysans. Donc, au monde de la terre, on est quand même dur. Son père, on le décrit, était très dur, obstiné, têtu, imposant sa volonté. Donc, elle a été élevée dans ce climat-là et elle tient de son père. Donc, c'est sûrement c'est quelqu'un de dur. Mais en même temps, il y a une carapace qui se met en place. Quand on est fragile, inconsciemment, on met des barrières pour se préserver. Et je crois que son caractère l'a prédisposé à cela. Et en plus, comme elle m'a dit, la vie m'a endurci, toutes les difficultés que j'ai eues. Eh bien, si je ne voulais pas m'effondrer, il fallait que je devienne très dure. Je crois que Madame Humbert, avant tout, est une femme très fragile psychiquement, qui a des angoisses de dépression, qui a des angoisses d'effondrement, qui peuvent être vraiment très, très importantes. Elle a déjà fait des tentatives de suicide auparavant, donc c'est quelqu'un qui a toujours été quand même fragile. Donc elle s'est retrouvée à un moment de sa vie devant une tâche qui finalement était insurmontable pour elle. Elle n'avait pas, je dirais que les gens bien équilibrés ont déjà du mal à affronter ce genre de situation. Alors quelqu'un de fragile psychologiquement, obligatoirement, à un moment donné ou à un autre, elle devait craquer. C'est l'histoire du chêne et du roseau. Je plie, mais ne romps pas. Voilà, le rigide, ben lui, ça va passer. Ça passe ou ça casse. On se rigidifie pour ne pas s'écrouler. Josiane Humbert est aussi une femme de tête qui ne perd jamais de vue ses intérêts. En 88, quand elle revient avec mari et enfant à Villiers-Morgon, elle se débrouille pour recevoir de ses parents la maison qu'elle habitera en donation déguisée afin d'échapper au fisc. On apprendra aussi que sa mère, avant de mourir, lui avait cédé la nue propriété de la seconde bâtisse, n'en conservant que l'usufruit. On saura aussi durant l'audience qu'elle a vendu avant le procès cette maison pour en acquérir une autre en Bretagne. Pour l'accusation, cela renforce l'ambivalence de sa personnalité. Josiane Humbert revivra avec sa mère durant plus de 15 ans, dont 5 ans seule à seule, après le décès de son père. Les deux, mère et fille, avaient des liens fusionnels, qui avaient une complicité entre elles très importante, ce qui fait que, enfin, qui est le résultat en réalité de la promiscuité pendant des années de maladie, les liens qui se créent entre une malade et la personne qui la soigne, l'une et l'autre étaient devenues dépendantes. La mère était dépendante de sa fille par la maladie et la fille était dépendante de sa mère par les soins qu'elle apportait, par le sens qu'elle donnait peut-être à sa vie, donc il y avait une interdépendance des deux. Cette fusion, c'était une fusion qui bloquait toute relation extérieure. Donc, Madame Humbert, elle laissait peu d'accès aussi aux autres, même si on reproche de ne pas être assez venue. Disons que quand on venait, ou quand les infirmières venaient, elle était toujours là. Donc, voilà, toute relation un peu intime avec la personne décédée avant n'était pas facile. Sans jamais elle nous laissait toutes seules. Est-ce qu'elle avait peur que Suzanne dise quelque chose? Je pense que Madame Humbert,
a fini par disposer un petit peu de sa mère. C'est terrible à dire. En la tuant, d'accord. Mais même en... Voilà, au moment de l'enterrement, on se demandait si elle n'était même pas un peu propriétaire de sa mémoire. C'est-à-dire, dans la mesure où il y a une fusion et qu'on n'est pas différencié, les autres, ils n'existent plus tellement, hein, en dehors de ce couple très intriqué, entremêlé, je dirais. Il faut être séparé d'autrui pour voir qu'autrui existe, hein, d'une certaine façon. Ses liens particuliers avec sa mère, Josiane se refuse à les partager avec quiconque, même avec ses propres filles. Elle vit comme enfermée avec sa mère, dans une bulle étanche, une bulle faite de non-dits et de souffrances partagées. De voir souffrir quelqu'un qu'on aime, c'est horrible, et d'être impuissant, sachant que de toute façon, ça ne pouvait aller que de mal en pis. Il n'y avait aucun espoir. Et je crois que c'est cette absence d'espoir qui a fait que, un jour, elle n'a plus supporté cette souffrance-là. Et effectivement, elle a pu tenir tant qu'il y avait du possible de soulager cette douleur. Le jour où les médecins disent c'est fini, il y a un cri de trop, elle ne pourra pas soulager la douleur de sa mère. Le passage à l'acte intervient dans ces coordonnées-là. N'empêche que c'est la vérité, hein. Et puis les autres, elles cachent tout leur jeu. Ouais, comme je dis, elle est franche. Hein. Ouais, non, mais viens donc. Ce jour-là a été précédé d'une tentative et qu'elle a projeté donc d'étouffer sa mère le jour de la fête des mères. C'est pas tout d'un coup, j'en ai marre, je suis et je passe à l'acte. C'est pas du tout ça. Donc c'est un jour choisi. Et c'est un jour qu'elle vit comme un jour de libération personnelle et je dirais peut-être aussi de revanche sur sa vie. La fête des mères, c'est le jour où on fête de manière un peu symbolique sa mère. Alors si elle avait à la limite présenté ça comme un cadeau en disant ben voilà, c'est l'ultime cadeau que je peux faire, c'est de t'enlever la vie puisque c'est ce que tu demandes. Bon, ça aurait été terrible à entendre, mais ça aurait pu être une version. Là, pour elle, c'était complètement indifférent, que ce soit la fête des mères ou pas la fête des mères. Bon, voilà, c'était un jour comme un autre. Voilà ce qu'elle a dit. Donc ça, effectivement, c'est assez paradoxal d'entendre ça. Ouais. Jusqu'à présent, à l'audience, Guy Humbert est passé presque inaperçu. La cour va maintenant lui demander des comptes. Jusqu'en 2003, il a travaillé en boucherie à Villiers-Morgon. Il a dû s'arrêter à cause d'une hernie discale qui l'empêche aujourd'hui de se mouvoir à sa guise. On le dit gentil et dévoué, mais doté d'un caractère plutôt trempé. Mon beau-frère commandait quand même, mais avec Guy, ça s'est jamais trop bien passé, je pense. Hein, peut-être pas vraiment au début. Pas au début. C'était... À la fin, il ne se causait plus. De toute manière, avec mon beau-frère, il ne se causait pas. Le Guy et mon beau-frère, il ne se causait pas. Ah, puis il était aussi méchant, aussi, là, le Guy. Parce que... Ah ben... Quand il est décédé, le lendemain, il a fait un grand feu dans le jardin, tout brûler les affaires, tout. Tout débarrassé, tout. Il y avait un gros sapin, ma soeur disait, oh, il a coupé le sapin. Guy Humbert se tenait soigneusement à l'écart de Madame Michel. Il n'acceptait de la voir que lorsqu'elle allait bien. Maintenant, dit-il à l'audience, on s'occupe bien de ma belle-mère. On va au cimetière et j'ai acheté une belle plaque qui coûte cher. Puis lui qui disait qu'il allait la voir. Il allait la voir, pas souvent. Après, ma soeur n'avait plus le droit de rien dire puisqu'elle était dépendante. Elle disait rien, même que ça ne lui plaise pas. Vous avez du mal à vous exprimer, vous le dire, mais que c'est quelque chose qui vous poursuit tous les deux. Hein, que ça vous ronge tous les deux, que vous y pensez sans cesse. C'est la vérité. Hein, faut essayer de sortir ça. D'accord. Eh bien, je vous remercie. On peut reprocher à M. Humbert sa faiblesse, mais peut-être qu'avec sa faiblesse, il a contrebalancé la dureté de Mme Humbert. Peut-être le couple marchait bien parce qu'il y avait ces deux caractères-là, deux caractères forts, côte à côte,
n'aurait peut-être pas pu exister. J'ai pas eu le sentiment qu'il comptait beaucoup. Mais c'est ma subjectivité, hein, vous savez. On n'a pas le pied à coulisses, hein, en psychiatrie. Ce jour-là, il était là. Il était présent. Il n'a rien fait. Est-ce que des limites, il en a déjà fixées à Madame Imbert, à la personnalité assez dominatrice? Et donc, de se dire, bah, ce moment-là, c'était le jour J où il fallait intervenir et il ne l'a pas fait. Dans le mécanisme du couple, on a bien compris tous que c'est la femme qui commande, malgré tout, et c'est l'homme qui obéit. Oui, ils sont arrivés, les parties civiles peuvent savoir, d'accord. Si les petites sont là. Oui. En fin de journée se présentent les deux filles du couple Imbert, âgées de 24 et 26 ans. Toutes les deux ont eu des relations difficiles avec leur mère et elles ont quitté le domicile familial dès qu'elles l'ont pu. En début d'instruction, elles se sont constituées partie civile avant d'y renoncer. Elles vont témoigner à quelques mètres de leurs parents placés dans le box des accusés. La cour. L'aînée confirme que sa grand-mère souhaitait partir lorsque les douleurs étaient insupportables. Lorsqu'elle retrouvait sa lucidité, elle n'en parlait plus. La jeune fille ajoute, en évitant le regard de sa mère, que son père s'est montré trop faible. S'il avait haussé le ton, on n'en serait pas là, conclut-elle. La venue des filles de Madame Imbert et des petites filles de la victime, dont l'une a exprimé, en résumé, l'histoire du couple, et le fait qu'elle ne pouvait pas, par définition, fixer les limites, le père aurait dû peut-être essayer de fixer des limites avant. Elles ont fixé les limites, comment? En rompant. Bon, allez, mettez la place. Vous êtes courageuse, mais c'est bien parce que c'est votre cœur qui parle, vous en avez. Votre nièce. Je trouve qu'en fin d'après-midi, moi j'ai apprécié personnellement, parce que je sais que c'était important pour mes clientes, qu'elle ait dit effectivement qu'elle regrettait, qu'elle prenait conscience de l'existence d'autres victimes. Bon, maintenant, est-ce que c'est stratégique ou est-ce que c'est du fond du cœur, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a quand même soulagé mes clientes. L'expert psychiatre résumera sa vision du drame en évoquant un meurtre mélancolique. Finalement, Josiane Imbert n'avait pas un mobile, mais plusieurs, qui se sont intriqués dans sa tête. La lassitude d'une situation sans espoir, l'envie d'une nouvelle vie cossue en Bretagne et un rapport à la mort très particulier. En voulant libérer sa mère de la souffrance, c'est sans doute elle-même qu'elle voulait délivrer. Au terme de cette troisième journée, les jurés devront prononcer leur verdict. Pour Josiane Imbert, c'est l'heure de vérité. Elle espère encore pouvoir éviter l'incarcération, toujours persuadée d'avoir agi au mieux. Même si elle a affirmé du bout des lèvres regretter son geste, elle est toujours persuadée que sa mère est mieux là où elle est maintenant. Reste pour la cour à entendre les arguments de la partie civile, de l'accusation et de la défense. J'en ai pris trois, mais c'est peut-être pas utile d'aller voir. On va voir. Regardez. Ah, si, c'est bien ça. Ça, c'est... Donc là, vous êtes où? On est chez Josiane, là. Ça, c'est ma soeur, elle est malade. Moi. Et ma nièce, ma filleule. Madame Imbert. Malgré leur position délicate, les deux filles du couple ont voulu assister à la dernière journée d'audience. La parole est d'abord à Maître Spee. Mon rôle, ça sera plus d'essayer de sortir Madame Michel de l'enfermement dans lequel elle est mise par sa fille pour montrer qu'elle est quelqu'un d'autre que celle dont elle parle. Enfin, c'est ça pour moi qui est utile. Maître Spee conclut sa plaidoirie en demandant à la cour une certaine fermeté. C'est au tour de l'avocat général de décliner ses réquisitions. J'accorde une importance à la parole de l'accusé et surtout à son regard. Mon idée, c'était de trouver un équilibre entre les enjeux de société qui sont fondamentaux dans ce dossier. Et puis, il s'agit de tenir compte aussi
de cette accusée, de ce qu'elle a fait aussi dans le cours de sa vie pour sa mère, même si ça se termine dans des conditions assez sordides. L'avocate générale réclame finalement 8 ans de prison contre Josiane Imbert et 2 ans avec sursis contre son mari. Bon, alors on me dit que je suis la pire des femmes, mais attendez, mais j'ai rien fait de mal. Qu'on me fasse du sursis, qu'on me donne... Bon, qu'on me fasse soigner, effectivement, j'en ai besoin, ça je reconnais, parce que bon, je suis à bout, mais c'est tout, hein. Son geste, elle le connaît et elle en a conscience. La prison, c'est, je dirais, pour répondre à une nécessité pour la société, c'est tout. Et je pense que là, ce n'est pas adapté. Là, c'est quand même une situation tellement particulière. Et je pense que pour les jurés, ça va être très difficile parce qu'on est partagé entre un acte, c'est vrai, qui est antisocial, qui doit être sanctionné. Et en même temps, on comprend tellement l'environnement, on comprend tellement le contexte qu'on a envie de sanctionner, mais de façon symbolique. Et 8 ans, ce n'est pas symbolique. Avant d'ouvrir le délibéré, le président donne la parole une dernière fois aux accusés. Maintenant, vous pensez à vous deux, vous entendez le mieux possible, et dire des mots de tendresse, d'amour, pour votre mère. Hein ? D'accord ? Ah, mais tout à fait. Oui, mais je sais bien, mais je sais. Oui, oui. Mais entre le penser et le dire, c'est pas évident, vous comprenez ? Oui, oui, hein ? Il faut le sortir, exactement. C'est la vérité. Je sais. Est-ce qu'ils vont l'entendre ? Ah, ça, c'est votre problème. Voilà. Les débats sont terminés. Les sœurs de la victime tentent de connaître auprès de leur conseil la durée prévisible du délibéré. Comme convenu avec leur avocate, les époux Imbert ont émis les regrets de circonstance. Guy a tenu à supplier les jurés de ne pas envoyer son épouse en détention, de peur, a-t-il ajouté, de se retrouver seul. Jurés et magistrats, 7 hommes et 5 femmes, sont réunis autour de la table de la salle des délibérés. Ils doivent répondre aux 4 questions portant sur la culpabilité et surtout déterminer une peine pour chacun des époux Imbert. Josiane n'a pas effectué un seul jour de détention jusqu'à présent. Si elle est condamnée à plus de 5 ans avec sursis, elle dormira ce soir en prison. Il est 17h35. Le délibéré a duré un tout petit peu moins de 3 heures. L'audience va reprendre pour la lecture du verdict. Avec sursis. La peine de 8 ans, madame, la cour décerne
que vous avez la possibilité de faire appel de cette décision dans le délai de 10 jours à partir d'aujourd'hui. Il y a au moins 3 ans à faire. C'est dur. Oui, ça va, c'est bon, je trouve que c'est dur. Ouais. Alors, elle a 8 ans. Elle a 8 ans. C'est fait, on l'a. Puis lui, 2 ans avec son séjour. La cour d'assises du Rhône a condamné Josiane Imbert à 8 ans de prison et son mari Guy à 2 ans avec sursis. Josiane Imbert a été incarcérée dès la fin de l'audience. Ni les condamnés, ni le parquet général n'ayant relevé appel de la décision, le verdict est définitif.